avec deux petites invitées, de grandes invitées même, en cuisine. Amani et Awa, nos stagiaires. Viens voir mon taf, ça va les filles. Ça va, et vous? C'est leur dernier jour aujourd'hui. Elles sont assurées. On veut leur dire bravo pour leur travail. Bravo pour les filles. Avoir observé attentivement toute la semaine. Et donc aujourd'hui, la dégustation. Ça vous a plu? On a été sympa? Oui. Ça va, l'équipe. Vous pouvez dire la vérité, hein, la vraie vérité. Elles ont été absolument adorables. Mais oui. Adorables. Est-ce que ça vous a donné envie de... Ah oui, de faire ces métiers-là? Mais je crois qu'Awa, c'est toi qui veux faire ingénieur du son? Non, elle veut être présentatrice, Awa. Ah oui. Et Amani, peut-être ingénieur du son. Bah, bravo les filles, et big up au collège Pierre de Jeter à Saint-Denis, c'est votre collège. Et à l'association, viens voir mon taf. Mais oui. On goûte? Allez, oui, alors... Ce cassoulet express. Cassoulet express au confit de canard. Je vous laisse goûter. Avec Maya, on l'a préparé. Et Maya, express. En 5 minutes. Ouais. 5 minutes. Et en plus, vous pouvez gagner en temps de cuisson. Si vraiment vos haricots sont tout petits, vous pouvez juste le passer sous le grill. 5 minutes, 10 minutes à griller. La chapelure à l'ail, très bon. Super très, très bon. Hein. C'est la petite touche en plus. Oui. Très bien. Bien cuite. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Trop bon. Bon. Trop bon. Trop bon. Non, non, plus fort. Trop bon. Trop bon, ouais. Bon, tant mieux. Bravo. Merci. T'as une beaucoup. Astuce à nous présenter? Bon, ça, je sais pas si c'est trop bon, vous allez voir. Je vous propose un brownie, mais réalisé... Au haricot blanc? Ouais, avec des haricots blancs. Alors, dans la cuisine japonaise, on utilise ce qu'on appelle des azuki, qui sont des haricots rouges. Oui. Pour faire des dans pâtisseries, mochi. Notamment dans les mochis que tu adores, mais tu pourrais tuer pour des mochis, c'est pas je crois. C'est pas et ben écoute, je prépare un brownie avec des haricots blancs. Donc il suffit simplement de mixer les haricots blancs avec de l'huile végétale, un petit peu de sucre, des œufs, et en plus c'est un brownie sans gluten. Je tiens à le préciser. Vous faites fondre du chocolat. Mais d'autres conséquences. Ensuite, on mélange. Pas de pâte, on mélange. Ah ouais, qu'est-ce que tu. Eh oh, tu rites ces bêtises là. Donc tu fais fondre le chocolat. Ouais. Ensuite, tu mélanges tout. Tu fais cuire dans un moule à cake à 180 degrés. Voilà. Pendant 30 minutes. Et le résultat, il est là. Vous voyez, les cuillères sont plantées dedans. Je voulais éviter de couper des petits morceaux. Je te laisse essayer. Les filles, on vous laisse goûter tranquillement. Tiens, regarde, non, il faut qu'elle goûte quand même, qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Alors après, c'est peut-être pas un gâteau que tu fais le même jour que le cassoulet, du coup. Sinon, ta parole serait pénible. Bon, toi, tu sais quoi? Tiens, vas-y, goûte, parce que... Non, s'il te plaît. Que tu dises ce que t'en penses. S'il te plaît. On a une émission à finir. C'est intéressant. Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, non? Ah oui? En termes de texture, c'est ultra fondant. Oui, ça change. Ah, c'est comment, vas-y? C'est doux. C'est doux. T'as raison, Awa, c'est le juste mot. Le juste mot, je pense qu'on peut finir là-dessus. On terminera là-dessus. Bravo Farida. Merci. Tu viens avec nous, Faridouille? Ouais, bravo. Tu vas répondre à quelques cas pratiques avec nous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Cas pratiques. Ouais.